Avez-vous déjà remarqué à quel point il arrive parfois lors de nos journées qu'il s'enchaîne un certain nombre d'imprévus qui nous empêchent tout simplement de faire ce que nous avions prévu dans notre journée à la base Et si le problème ne venait pas tant de ces imprévus qui arrivent dans notre journée, mais plus de notre manque de prévision c'est ce que je vous propose de découvrir aujourd'hui dans cette capsule. Bonjour, bienvenue dans cette capsule. Je m'appelle Julien Giraud, je suis auteur, coach, conférencier et formateur en entreprise. Aujourd'hui, je voulais vous parler dans cette capsule de la magie de la planification. Comme je vous l'expliquais en introduction, il n'est pas rare que lors de notre journée, un certain nombre d'imprévus se présentent et nous empêchent de pouvoir aller eh bien, dans la direction que nous avions pourtant choisie plus ou moins consciemment en début de journée. Au fur et à mesure du temps, je me suis aperçu au travers des différentes formations que j'ai pu donner dans le cadre de la gestion du temps et de l'organisation au sein des entreprises. Que beaucoup de personnes rencontraient cette difficulté de ok, je prévois ma journée, je me dis tiens aujourd'hui je vais faire telle chose, je vais faire ça, je vais aller à tel endroit, je vais rencontrer telle personne et que finalement eh bien les choses ne se passent pas vraiment, voire pas du tout comme c'était prévu et qu'à la fin de la journée on se sente un petit peu déstabilisé, un petit peu... Euh, déçu du fait qu'on n'ait pas réussi à atteindre les objectifs qu'on s'était fixés. Et ce que je souhaitais faire avec cette capsule avec vous aujourd'hui, c'était de vous partager, eh bien, quelques, quelques clés, pardon, quelques astuces particulières qui fonctionnent et qui vont vous permettre, eh bien, d'éviter de rencontrer trop souvent ces imprévus. Vous en aurez toujours, puisqu'un imprévu est bien quelque chose qu'on ne prévoit pas, donc on ne peut pas imaginer à l'avance, mais qui va se produire. Par contre, il y a une règle très intéressante, et je dirais que c'est là notre première clé aujourd'hui, c'est que tout temps qui n'est pas planifié, de manière spécifique, va laisser de la place aux imprévus. C'est-à-dire que si on le prend dans l'autre sens, si on inverse la réflexion, tout imprévu ne se présentera que si la place dans notre temps, dans notre agenda, dans notre journée n'est pas déjà occupée. Comme je vous le disais, un imprévu c'est quelque chose qu'on ne peut pas prévoir et ça peut se produire n'importe où, n'importe quand. Mais il y a cette constante qui fait que lorsque nous prévoyons notre journée et pas seulement dans notre tête, lorsque nous l'organisons vraiment de A jusqu'à Z, eh bien, il se passe quelque chose d'intéressant. Les imprévus se font beaucoup plus rares. Pourquoi Parce que dans notre esprit, c'est déjà programmé. Nous avons programmé notre journée. Nous allons commencer par le point 1, puis le point 2. Nous allons aller à tel rendez-vous, nous allons rencontrer telle personne, nous allons avoir tel déjeuner avec une équipe, avec notre patron, avec notre femme, notre mari, peu importe, et nous allons découper notre journée. De cette manière-là, afin de la rendre la plus efficace possible. Peut-être, faites-vous maintenant partie de ces personnes qui disent régulièrement, non, j'ai pas le temps. J'ai pas le temps de faire ci, j'ai pas le temps de faire ça, j'ai pas le temps d'aller là, j'ai pas le temps de te voir, j'ai pas le temps d'aller faire une course, j'ai pas le temps de me reposer, j'ai pas le temps de penser à moi, donc t'imagines bien que m'occuper de tes affaires, ça va pas être possible. Bon. Il faut être objectif, là, pour le coup. Si certaines personnes arrivent à avoir du temps libre ou à faire beaucoup plus de choses que ce que vous pouvez en faire vous en une journée, ce n'est pas une question de chance, ce n'est pas une question d'outils, ce n'est pas une question de moyens, c'est surtout une question de prise de conscience et de responsabilité par rapport à qu'est-ce que vous faites de votre temps. Et ça, c'est la deuxième règle. La deuxième règle pour planifier votre journée, elle est très simple c'est de définir le temps que vous allez passer sur chaque chose. Alors, la première fois qu'on fait cet exercice-là, c'est un petit peu compliqué parce qu'on a toujours tendance à sous-estimer le temps qu'il va nous falloir pour faire quelque chose. On a tendance à, à contracter le temps, ce qui fait qu'après, eh bien, on va déclencher ce qu'on appelle une tendinite. C'est-à-dire que alors, pas la tendinite lorsque vous atteignez les tendons, mais là, bien parce qu'on atteint le temps qui nous est disponible et qu'on va l'étirer, 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 tout simplement parce que on a le sentiment qu'on peut faire quelque chose en un temps très limité, alors qu'en fait, il nous en faut le double, voire le triple. Hein, C'est comme quand vous vous dites, oh bah tiens, j'ai une petite demi-heure devant moi, je vais commencer à arranger ces affaires-là. Je vais commencer à faire mes papiers. Puis trois heures plus tard, vous y êtes toujours parce que vous avez sous-estimé le temps dont vous aviez besoin pour pouvoir eh bien, faire cette action. Donc l'idée, la deuxième règle, c'est vraiment de faire attention au temps que vous allez placer pour chacune de vos actions. Et pour ça, je vais vous donner deux astuces. Ces deux astuces vont vraiment vous permettre d'aller plus loin, de faire plus de choses et de vous organiser de manière beaucoup plus efficace. La première chose, c'est chronométrer le temps que vous mettez à faire vos actions qui sont récurrentes. Les actions que vous refaites soit tous les jours ou toutes les semaines, que ce soit plusieurs fois ou une seule fois, pour que vous puissiez avoir une idée précise du temps dont vous avez besoin. Vous savez, on ne veut plus être dans cette euh, situation où on est en train de faire quelque chose et on se dit, ok, Maintenant, je vais pouvoir faire le reste. Et là, on regarde l'heure et on se dit, ah bah ben non, il est trop tard. On a besoin de savoir exactement combien de temps ça va nous prendre. Et pour ça, plutôt que d'essayer de le deviner, c'est de le chronométrer. Si vous le chronométrez, ça va vous permettre d'avoir une durée à peu près définie sur les actions que vous faites le plus souvent. Ainsi, ce sera beaucoup plus facile de placer dans votre agenda, dans votre journée, le moment clé, le moment idéal où vous avez ce laps de temps pour faire cette chose. Ça, c'est la première astuce. La deuxième, faites toujours en sorte de rajouter environ 20% au temps initialement prévu pour cette tâche. Si vous avez prévu, euh, je sais pas, moi, quelque chose qui va durer 10 minutes, normalement, vous l'avez chronométré, vous vous êtes dit, il va me falloir 10 minutes. Eh bien, vous allez compter 12 minutes, 13 minutes, peut-être 15 minutes si vous voulez. Vous vous laissez au moins un 2 minutes, un 20% de laps de temps supplémentaire pour prévoir au cas où ça vous prenne plus de temps. Ça peut être un imprévu. J'avais pas prévu que ça me prenne un quart d'heure alors que d'habitude ça m'en prend 10. Prévoyez, assurez-vous une marge de sécurité parce que l'imprévu à ce moment-là se produira beaucoup moins. Et l'avantage, c'est que si vous finissez avant, bah vous réajusterez la prochaine fois le temps que vous avez mis, puis vous rajouterez quand même 20%. Et si malgré tout, vous finissez avant ce laps de temps supplémentaire que vous vous êtes accordé, c'est du temps que vous allez gagner sur la prochaine action que vous devez mettre en place. Donc, c'est tout bénéfice que de s'accorder un petit peu plus de temps que prévu sur quelque chose pour éviter eh bien de déclencher cette tendinite. Ensuite, ça va être de vraiment définir le plus possible quelles sont toutes les actions que vous allez enchaîner dans votre journée. À savoir que tout moment de votre journée qui sera bloqué par un espace vide va automatiquement se remplir de plein de choses. Si vous laissez un espace vide, alors, si c'est un espace vide qui est pour vous, c'est-à-dire là je fais une pause, je prends le temps pour moi, je vais déjeuner, je vais marcher, je vais faire du sport, je vais lire un peu, je vais faire une sieste, marquez-le, indiquez-le. Si vous ne l'indiquez pas, c'est du temps qui est libre, un espace qui est vide et tout espace vide va naturellement se remplir. Et le problème c'est que si ça se remplit de quelque chose que vous n'avez pas prévu, eh bien ça prendra certainement plus de temps que l'espace qui est disponible. Et dans ce cas-là, vous allez décaler toute votre journée et ça va devenir très compliqué. Donc, plutôt que d'avoir ce problème-là, accordez-vous ces temps de pause, accordez-vous ces temps où il y a un espace qui est libre pour faire ce que vous voulez. Mais vous déterminez ce que vous allez faire et vous déterminez le temps que vous allez passer dessus. Dernière. Euh, je dirais astuce, dernière chose que vous pouvez mettre en place, c'est de ne surtout pas trop charger vos journées. Ça ne sert strictement à rien. Parce que quand vous chargez beaucoup vos journées, vous savez, quand vous vous créez votre liste d'actions, puis vous dites, allez, aujourd'hui ou demain, je vais faire tout ça, puis vous attaquez la journée, vous êtes confiant, confiante, vous y allez à fond, et une chose de fait, et une deuxième et une troisième et que vous arrivez à la fin de la journée et qu'il vous reste encore 15 à remplir vous allez vous sentir frustré vous allez être déçu malgré tout vous aurez pris conscience que OK j'ai réalisé quelques petites choses aujourd'hui mais j'ai pas fait tout ce que je voulais et ça va vous frustrer ça va poser problème pour la suite parce que ce qui va se passer le lendemain votre liste vous allez la laisser de côté parce que dans votre tête sans vous en rendre compte, vous allez avoir ce discours-là de vous dire de toute façon ça sert à rien, j'ai beau me faire des lits, j'avance pas plus vite. Regarde hier, j'ai pas fait tout ce que je voulais, aujourd'hui ce sera pareil. Pff, allez, on fera ça plus tard, c'est pas grave. Et vous allez reprendre votre routine dans les imprévus qui vont s'enchaîner dans votre journée et à chaque fois en rentrant chez vous le soir, vous allez vous dire bah voilà, encore une journée de passée, j'ai pas fait ce que je voulais, j'ai pas eu le temps, j'ai pas pris le temps pour moi j'ai pas eu le temps de voir mes amis et puis j'aurais voulu sortir ce soir mais je suis fatigué donc une autre fois vous allez tout simplement vous laisser embarquer dans un espèce de flot qui ne vous appartient pas dans un courant que vous ne maîtrisez pas et ça va juste être l'horreur au bout d'un moment donc prenez le temps prenez le temps vous de planifier et je vous dis planifier c'est pas juste je me lève le matin et je me dis je vais faire ça je vais aller là faire telle course, je vais ranger la maison, je vais trier les papiers, je vais voir tel client, je vais appeler telle personne. Ne faites pas confiance à votre cerveau pour vous rappeler ce que vous avez à faire. Ça, c'est un truc qu'il faut absolument mettre de côté. Ne faites pas confiance à votre cerveau pour ça. Faites-lui confiance pour qu'il vous accompagne dans la mise en place des choses, dans l'organisation. Mais pour tout ce qui est de la planification et... De vous rappeler ce que vous avez à faire, ne lui faites jamais confiance. Pourquoi Parce que on vit dans une société qui nous fournit tellement d'informations, tellement de choses à la seconde que notre cerveau sature en permanence, et que la seule chose qu'il fait quand on a un moment de libre, c'est de nous faire penser à quelque chose qui ne correspond pas du tout là où on est et à ce qu'on peut faire. Je pense que vous l'avez remarqué. On va avoir les meilleures idées quand on est en train de faire nos courses, hein, les meilleures idées pour notre travail, et on pense à ce qu'on va faire à la maison, les travaux, les courses, les rendez-vous chez le médecin, quand on est au travail et qu'on pense à notre vie privée, personnelle. Pourquoi Tout simplement parce que c'est un moyen pour le cerveau de, de retrouver du dynamisme dans un cadre qui est hors contexte. C'est beaucoup plus facile pour lui de réfléchir hors cadre et de trouver des solutions. Si vous ne planifiez pas votre journée, si vous ne l'écrivez pas et que vous faites juste confiance à votre tête pour vous en rappeler, ce qui va se passer, c'est que tout au long de la journée, vous allez vous souvenir de plein de choses, sauf de ce que vous avez à faire. Et que même si vous vous souvenez à un moment donné, tiens, aujourd'hui, j'avais prévu de faire ça, vous savez pas pourquoi, vous allez faire autre chose. Donc, marquez-le. Marquez tous les matins. Prenez 5 minutes, 10 minutes s'il le faut. D'accord, pour ça vous chronométrer, pour savoir combien de temps vous mettez pour planifier votre journée, ça vous évitera de vous mettre en retard. Mais notez, notez les choses que vous avez à faire. Si vous les écrivez, noir sur blanc, sur du papier, non seulement ça va être fluide comme tout, mais en plus vous allez vraiment remplir toutes vos missions pendant la journée et les imprévus, il y en aura beaucoup moins. Ça arrivera encore, mais il y en aura beaucoup moins et vous serez plus fr frustré et vous pourrez avancer véritablement vers la réalisation de ce que vous souhaitez. Vous pourrez trouver du temps pour vous, vous pourrez trouver du temps pour aller faire du sport, pour prendre soin de vous, pour aller voir vos amis, pour passer du temps avec votre famille, avec vos enfants, vous occuper du garage qui est en bordel depuis six mois, euh, de ranger vos papiers, pareil, ça traîne depuis je ne sais pas combien de temps. Peu importe, vous allez trouver le temps de faire les choses, mais gardez bien à l'esprit que on note tout. On définit à l'avance le temps qu'on va passer dessus, on rajoute 20%, une marge de sécurité et que si vous n'avez pas fini, eh ben continuez soit à terminer votre action en prenant conscience que vous ne pourrez pas faire le reste de ce que vous avez prévu dans votre journée ou alors de dire ok j'ai bien avancé mais là je m'arrête là parce que j'ai prévu autre chose donc c'est aussi de prendre le contrôle prendre le, le le lead sur vos sur vos décisions sur vos choix sur ce que vous décidez de mettre en place et puis euh, ça va être donc je vous ai dit de planifier, d'écrire, de définir le temps, de vous donner un 20% et surtout donc de ne pas trop charger votre journée. Faites vraiment en sorte de ne pas charger votre journée et vous faites confiance au système. Faites pas confiance à votre tête, faites confiance au système. Voilà. C'est ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. C'est cette magie de la planification, de l'organisation de notre journée. Vous allez voir que vous êtes capable de faire énormément de choses dans votre journée à partir du moment où vous y mettez un minimum de cadre pour que ça fonctionne correctement. La liberté, oui, et je serai le premier à vous dire, faites en sorte d'être le plus libre possible, le plus souvent possible, parce que ça fait partie de mes valeurs profondes, la liberté, mais il faut quand même un cadre. Parce que sans cadre, la liberté n'existe pas, vous êtes victime des aléas de votre environnement, des aléas de votre vie, des imprévus qui s'installent sur votre agenda. Retenez bien ceci. La liberté, ce n'est pas ne pas planifier sa journée, c'est au contraire se donner un cadre dans lequel on va pouvoir circuler librement, facilement. Si vous ne vous donnez pas ce cadre, vous ne serez plus libre du tout, vous serez la victime des imprévus. Vous serez l'esclave du temps, des autres, des événements, des choses qui se passent autour de vous. Donc, planifiez un minimum, organisez, cadrez, et vous allez voir que ça va très bien se passer. Appliquez tout ça, prenez soin de vous, n'oubliez pas que vous êtes magique, que vous avez le pouvoir de faire ce que vous voulez à partir du moment où vous passez à l'action. Et je vous dis à très bientôt et merci beaucoup pour toute votre attention. Bye bye.